Cette semaine qui s'achève, le gouverneur du Nord-Kivu a consacré ses efforts et son temps plus à la lutte contre la maladie à virus Ebola. D'entrée de jeu, après avoir été informé par l'équipe de Riposte d'un cas de malade repéré à Goma, vite Karline Zanzoukasivita a réuni les états-majors de la lutte contre le virus Ebola, le gouvernement provincial, avant de recevoir les associations et autres partenaires en guise de renforcer les stratégies de la Riposte. Karline Zanzoukasivita va quitter dans la matinée son bureau climatisé au musée des Himbi pour faire la ronde dans les postes frontières avec le Rwanda voisin, mais aussi au niveau des entrées de la ville de Goma. Objectif, c'est rassurer de la mise en pratique des mesures d'hygiène, celles qui consistent à se laver les mains. En bon maître, il a donné l'exemple sur place, ce qui convainc la population à ne pas négliger cette lutte sans laquelle des milliers de vies humaines risquent de périr. Dans cette même veine, le gouverneur de province, très engagé, a pris la mesure portant identification obligatoire des passagers par les transporteurs sur toute l'étendue de la province. La volonté de l'exécutif est de contrôler, en cas de besoin, les mouvements des personnes en vue de lutter et éradiquer, au finish, la maladie à virus Ebola. Nous sommes en alerte des camps d'Ebola qui avaient été découverts en ville de Goma. Il est de notre devoir comme gouverneur de la province de s'assurer que toutes les mesures de prévention sont en train d'être observées. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé avec tous les comités de la Riposte pour voir effectivement ce qu'on est en train de faire au niveau de la petite barrière, mais aussi au niveau des autres entrées qui communiquent avec les provinces voisines. Nous voudrions nous rassurer que la population qui fréquente cette frontière, la petite barrière où il y a un grand flux migratoire, est en train de respecter les mesures de prévention. Nous sommes encouragés par ce qui est en train d'être fait et nous allons multiplier assez d'efforts. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus personnellement parler avec les services pour qu'il n'y ait pas de complaisance. Nous les félicitons déjà pour ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez la population en train de se laver les mains, on est en train de prélever la température, mais aussi il y a d'autres mesures qui sont prises par la DGM pour le contrôle des flux parce qu'il y a des camps suspects qui sont dans les fichiers de l'OMS et de notre service du ministère de la Santé qu'on est en train de chercher sur l'étendue de la province Nord Kivu mais aussi de la République. Nous voudrons nous rassurer que cette frontière ne puisse pas effectivement permettre qu'il y ait des cas d'Ebola, soit qui viennent du Rwanda, soit de la République démocratique du Congo. L'agenda hebdomadaire note la séance interprovinciale tenue par le gouverneur du Nord-Kivu, Karline Zanzoukasivita et son collègue du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje. Au cœur de la rencontre, les suivis de la mesure du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, exhortant l'autorité provinciale à s'impliquer totalement dans l'éradication des groupes armés. Les deux gouverneurs n'ont pas attendu une commission interprovinciale des démobilisations et réinsertion communautaire est déjà à pied d'œuvre. Elle reçoit l'expertise du comité provincial de sécurité. Théo Ngwabidje et Karline Zanzoukasivita sont déterminés à en découdre avec les groupes armés. L'accompagnement du gouvernement central est attendu, comme ils l'ont confirmé. Aujourd'hui, les problèmes de sécurité touchent le Nord et le Sud-Kivu. Et nous avons pensé qu'au niveau des deux provinces, il y avait nécessité de mutualiser les efforts pour mettre fin à l'activisme et l'éradication des groupes armés qui sont la cause de l'insécurité dans nos deux provinces et qui aujourd'hui occasionnent des morts, qui occasionnent des déplacements, de la souffrance pour nos populations. C'est ça l'objet de notre visite ici. Je voudrais moi-même remercier d'abord son Excellence Monsieur le gouverneur du Sud-Kivu et sa délégation pour s'être déplacé pour la question la plus importante comme la sécurité dans notre région. Et comme vous le savez, notre constitution institue deux lois qui nous permettent de faire la coopération interprovinciale. Je peux vous rassurer que nous n'allons pas seulement nous retrouver sur la question de la sécurité, mais aussi sur la question du développement de nos provinces respectives. Et nous sommes motivés, effectivement, pour aider les chefs de l'État à restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue de la province Nord-Kivu. L'actualité hebdomadaire du gouverneur, c'est aussi une bonne nouvelle lui annoncée par les associations agricoles du Nord Kivu. 53 millions de dollars américains, tel est le financement du Fonds international de développement agricole
pour une période de 9 ans à province du Nord-Kivu. 4 filières sont ciblées. Il s'agit là du riz, de maïs, pommes de terre et le café arabica. Carlin Zanzoukasivita est l'homme le plus heureux car ce projet qu'il maîtrise très bien pour avoir été ministre à l'époque de l'agriculture aura un impact considérable sur la relance de la vie socio-économique en province du Nord-Kivu. L'autorité provinciale a promis son implication totale pour la réussite de ces projets agricoles. On parle de volume de production, on parle de prix obtenus et on parle du niveau d'approvisionnement des marchés urbains et des marchés internationaux dans le cas du café. En même temps, il nous a dit aussi que si jamais nous nous heurtons à des problèmes, quelle que soit la nature du problème, il est entièrement à notre disposition pour nous aider à trouver des solutions à ces problèmes. Donc je ne peux que résumer que vraiment nous avons trouvé dans l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, un allié de taille. En vacances parlementaires, les députés nationaux et provinciaux ont été reçus en audience par le numéro 1 de la province, toutes tendances politiques confondues, lui ont promis le soutien. La semaine du gouverneur a été enrichie par le message de l'autorité provinciale pour le lancement officiel de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Madame la vice-gouverneure Marie Lumeau appelle la population à s'approprier la lutte contre le paludisme, une maladie qui tue aussi. Fin de la semaine du gouverneur. Merci de l'avoir suivi.